Voilà. Bonjour, euh, Topé. Bonsoir. Ça ne dépend du milieu ou de l'endroit, vous aurez le temps, l'occasion de nous suivre encore une telle fois, peuple congolais. Na la édition, na la toujours euh, spéciale. Problèmes qui se passent au Congo, comme vous savez tous, la république a démocratisé du Congo. On ne manque pas de problèmes, on ne manque pas de sujets. Des fois, on vous laisse un peu le repos parce que bombarder des informations tous les jours, des fois aussi. En tout cas, Mato et Salara, moi Alors, faut laisser un peu des fois équilibre. mais nous sommes là, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour vous donner, euh, en tout cas, des réalités à chaque jour au na katia RDC. Alors, nous voulons, le week-end aussi, euh, c'est un peu de partager quelques points avec vous ensemble, concernant toujours Congo. Et euh, dans ces points, on veut un peu... Essayez de voir hein, la peine de mort sur Kileru Je crois que beaucoup de médias en parlent déjà. Sur Kileru la peine de mort réétablie. Hein, parce que cela existait, je pense qu'au moment de Mobutu, Maréchal Mobutu, Mobutu Abou Mara, hein, Mobutu Mobutu et quand les Joseph Kabila sont venus au pouvoir, il fallait faire de réconciliation nationale, il fallait faire tout. En tout cas, là qui peine des morts. Mais Félix Tiseguedi, on va en parler ici. Les conséquences, si les gens peuvent dire aussi l'avantage, on va voir cela ensemble avec vous ici. Alors, côté Est la République démocratique du Congo, je dois vous informer le Konei Nanga et ses alliés du M23 avancent. Goma est encyclé au moment où je vous parle. Donc euh, du super des temps. Alors, tout ébite, hein? <laughs> c'est question de heures, comme je dis toujours, question des heures. <laughs> Goma et Koukouya. Alors, euh, Goma est vraiment en séclé. Et puis euh, on peut voir aussi dossier Jeannette Kabila. Comment est-elle euh, 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 vraiment en sortie? dans hein? le dossier Oyo? Même qui est dans des DemiAp. L'invitation était... En tout cas officiel. Nous, on croyait parce qu'il n'y avait pas une date précise pour Yobacha qui lui bah, collait l'invitation à répondre. Alors la dame a répondu parce que c'était aussitôt reçu, aussitôt de se présenter. Alors elle a réussi avec le conseil de ses avocats. à Akenda Miap elle a été entendue. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas et comment elle est rentrée en homme libre, femme libre sans que va retenir à moins de locaux du colonel. On va parler ici bande de Alors vous allez aussi nous aider de me partager. S'il y a aussi de divers, comme je dis tous les jours, nous allons essayer d'en parler ensemble. Alors euh, je vais démarrer plus vite que possible cette émission euh, à travers euh, moi vidéo. Mon cousin un peu virale. Euh, la vidéo fait état Yako beta, je ne sais pas le monsieur s'il si était député, il était fanatique, il était qui. Euh, Akenda qui devant parler du peuple, on me dit que Azali uh, Moutouya Vital Kamere et Babazalaki Kosalabé Kodia Parce que Mbo veut toujours rester président de l'Assemblée nationale, bien sûr, même si son âge est déjà avancé. Le vieux veut rester président de l'Assemblée nationale, malgré bilan et médiocre, médiocres, mais le coup la vie à Gangaga, Béton, Fati Béton, Fati Béton. Alors, Mboson Kodia, à ce moment monde on a manœuvré tout le caméra, à Gouvernement, à Chamon Mobulupap, à ma Premier ministre, bloqué, il n'y a pas Babanini, ba tout ça. Il a des caméras à rebelles, ah, Bia, à komi il

à titre de Ah ben ah yo, monsieur Toroze là, yo son ministre, son ministre nini, yo elle makamona ngandé. alors il y a un peu euh, dispute et ça au ça On a poste wana ya présidence national Je crois que Mbosso aussi va postuler, je ne sais pas, peut-être il va postuler aussi. Alors Cameroun aussi, il y est déjà beaucoup Cameroun dans corruption. Ah côté wana caméra blanche à tête

le partisan de Mbosonko de mpwanga bamoni caméras okot ba caméras dans la salle mouibi, mouibi. Kobo te mbongo 100 jours mbongo 100 jours ah <laughs> Nana Nan ba le bablo kouana, peuple congolais oshitoka muto na ba militant ya vital Kameri. Sans se gêner, hein, je peux vous montrer euh, la petite vidéo de quelques secondes. Malheureusement, là qui s'est faute, il y a ma confesseur Bétama. y a signe la protestation, le bloc autour, il y a YouTube. Alors, un militant. Je vais quand même vous parler de pemeni. Voilà, militant, vous c'est le militant de Caméry. Et plutôt, de, 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 de Mboson Kodia, président dite de l'Assemblée nationale, ba cloué na sol, Vita, y a, y a Mboson Kodia, président de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, Bazumotunae, Bazako Betaille et Paya Batuya, UNC. Donc Cameroun aussi, Ayaki, <laughs> c'est maintenant la guerre là-bas. C'est la guerre. Et Cameroun reconnaissant le système. arekrite mpe bapomba na ye bakuluna na ye en cravate en veste oyo bayaki na assemble nationale mboso nkodi ape azalaki na bato na ye bapiri ye bango pe bayaki na asemble wana ntango bakangi kakake ga amere moyibi eh, bazwi tipe wana babimisi ye na libanda ya palais du peuple babeti ye comesi euh, baza kobeta nyama le tonat ceqi Cet événement, Isaac Salama, devant le Palais du Peuple, un endroit qui est censé euh, montrer l'humange de la nation, Nalibanda Yakatiamboka, L'endroit qui est censé de garantir la démocratie, la liberté d'expression, l'état de droit, tout ça, c'est devant l'Assemblée nationale. Mais on frappe quelqu'un, Ensemble nationale. Ça veut dire, so ki, po, Quand vous regardez cela, je vois que minimiser. Les gens minimisent un peu l'acte. Mais ce qui nous a cet acte où e, tu posé devant l'Assemblée nationale, cela montre qu'au Congo, nous n'avons ni état, ni ce qu'on appelle si c'est État de droit. Ni les droits de l'homme n'existent pas, ni même, euh, comment je peux aller encore plus loin, euh, comment je peux dire, terminer n'a qu'utiliser. C'est-à-dire, qu'on la quand même, elle est à peuple, il y a quand même un minimum de respect. Exact. Il y avait le, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi qui était là. Il y avait des policiers. Basala kiwana, basala et tous observés et regardés. Personne n'a intervenu pour dé, -à -dire déshonorer le Oh déshonorer l'Assemblée nationale ya Congo. Babeti Moutou devant l'Assemblée nationale. Et tout tous ce monde là babétiller, on les connaît tous. Baibi bango, bazana bango, ignora ni interpellation, ni arrestation. Les gens sont venus commettre le barbare devant l'homicycle, devant le palais du peuple, devant l'Assemblée nationale. On le voit, on le connaît. Mais il n'y aura ni arrestation, ni interpellation. Pourquoi Des partisans de Vital Kamere. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Donc si tu n'es pas fort, tu n'as pas de place là-bas. tu peux t'asseoir dans ta maison, ou critiquer et trop, ta mère a Tindelio, et va yo, s'il faut babou, peut babou mieux. Kamere ne sera pas inquiet et il ne sera pas arrêté. Regardez ce qu'ils ont fait devant l'Assemblée nationale. Que le monsieur soit partisan de Mbosso, qu'il dise le mauvais de Kamé ou pas. Mais frapper quelqu'un devant l'ensemble national, ça c'est grave. C'est véritablement grave. Dans un pays dit démocratique et dit, dit état de droit. Mokesa Kokoufa. C'est Kokoufa. Aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump échoue aux élections de 2000. Je crois que c'était 2018-2019. Comme ça. Il a échoué avec Joe Biden. Maintenant, ces partisans du président qui étaient dans l'hémicycle, dans le Sénat, vous avez vu les images, et ça la tour du monde. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le fait ces gens-là bakotaki na dans quatre hémicycles, Buki, Pandi, Betty, un à un a été traqué, Interpellés, arrêtés et d'autres ont même eu de problèmes dans leurs emplois, dans leur travail. Bah bengana bango, parce que bah écoute, bietine, symbole y'a démocratie yamboka. C'est grave. Fati Beto. <laughs> Mawatro, ma watro. Alors merci beaucoup. Na linga préciser pour que ce n'est pas de l'aventure, mais un monsieur était pour lui à Bruxelles ici. On fait de lui président sans connaître le background. De Il vient d'où Il a fait quoi dans la vie Et bon, On dit que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire C'est ça la RDC. Alors, rapidement ici, le peuple congolais. Beauté koyoka, tout ce zali koyoka, mission sur dans son ensemble. Euh, moratoire, au hein, exact sur qui na Katia RDC, circulation relative à la moratoire sur l'exécution de mort, peine de mort, et à la na Katia RDC. Bande Konangai, je ne sais pas si on se rend compte là où le dérive dictatorial est de s'installer petit à petit dans le Congo. Je pense que les Congolais minimisent cela. Même bon, nous de la diaspora, on regarde simplement Sogimbo et bon. On regarde le Congo s'il y a peut-être un événement, là on, on peut s'intéresser na la Congo, mais en dehors de ça, on s'intéresse peu na Makambo et politique à RDC. Euh, Félix prend le pouvoir 2018-2019, on peut dire. Passe 5 ans à la tête du pays. Il a signé des accords, des accords, des accords. On connaît tous comment il est devenu président. Qu'est-ce qu'il a fait avec Paul Kagame? Qu'est-ce qu'il a fait avec les Moussaveni? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, pour vouloir garantir son pouvoir. Monsieur Chilombo fabrique encore des élections à sa manière. On a décliné ça ici. Pour nous, en tout cas, voir l'élection être organisée dans Mboka la Congo, où il y a plus de 450 ethnies qui sont représentées dans quatre langues nationales que nous avons. Si vous regardez la composition des élections de 2023, ils ont qui mono-ethniques. Un seul tribu à organiser l'élection élection en Congo. De la CENI à la Cour suprême, au ministère des Finances, à la Banque centrale, au ministère de l'Intérieur. Vous connaissez les noms. Et Chilombo est proclamé, soi-disant réélu, avec un suffrage des Soviétiques, à l'ère soviétique. Alors, maintenant, Abandi deuxième mandat. Les lotos dans ben, la binoza dans le mois de mars. On est presque mi-mars. Dans 14 jours ou, ou 17 jours, on peut dire 15 jours, comme ça. Le mois de mars, c'est ça aussi là. On a mis le gouvernement. Ils ont dit, ils ont avancé l'argument ici. Que, ben, ça, là, que la Cour constitutionnelle a confirmé, soi-disant, ben, député, est-ce pour sortir un gouvernement, ça c'était le dit de Kabouya. Est-ce que pour avoir un gouvernement, on a besoin, bah, député, bas à la confirmer dans la cour constitutionnelle pour identifier la majorité Non, on n'a pas besoin de ça. C'est un ça, bah, simple échappatoire. Le président peut avoir un gouvernement sans même nommer le ministre ou quelqu'un oh, au hasard déjà député à la ministre. Non. Il peut prendre quelqu'un du de dehors comme moi ici. Je n'ai pas été élu. Félix peut me dire, Joël, toi, tu deviens ministre. Et je, en regardant ta connaissance, en regardant ta, fa ta façon de faire, en regardant tout ça, tout ça, je veux que tu travailles dans ce secteur Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas euh, un mandatory, comme les Américains aiment dire, pour que moi soit à la ministre fasse la garde députée. Non. C'est faux. Et vous allez voir cela plusieurs fois Kabila nommé euh, le ministre au oh, Basala jamais bah, député national. Et ça lui obligation Mais Félix avec euh, Kabouya bas obligation pour que bah, Bimisa gouvernement il faut d'abord bah, 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 nan, Vous avez vu aussi la fabrication de ce résultat où il y a des données comme qui gonfle encore le chiffre de l'UDPS, bah, so n'a de pourquoi Parce que bah, le Premier ministre, Fabi Mana, eu de pêche. Et retenez bien, il faut Azalalou Munuba, Mounouba, comme lui-même le président de la République. Donc, on risque, dans les jours à venir, regardez un peu ce que Chulombo fait. On risque d'avoir au Congo le président et Mounouba, le Premier ministre et Mounouba, le ministre de l'Intérieur. On risque qu'il soit aussi Moulouba. Le ministre de la Justice, Azar Moulouba. Le, le quoi euh, La Banque Centrale, contrôlée par un Moulouba. Et aussi, peut-être, le ministre des Finances. Vous voyez un peu le climat d'une domination d'un tribut envers d'autres tribus. Les gens pensent, les gens voient, mais les gens ne prêtent pas trop attention. C'est un danger pour l'unité du pays. Bon. On verra la suite. Attendons voir le gouvernement. Et puis, quand on avance maintenant, Chilombo, qui a créé ces accords, qui a signé ces accords avec ce multiple partenaire, dit au Congolais, après l'appel que lui-même a fait au M23, Bayana Nakatia Kinshasa, qu chose qu'il a ni, nié, mais c'était lui. Je pense que, euh, excusez, quand Konde aussi est revenu à l'Assemblée nationale, Gilbert Kankonde, où il a validé le sous, sous On verra la suite comment Gilbert Kankonde va bah, valider s'il reconnaît un peu que il y a un M23 sans l'accord de Félix. Et puis nous avons ce qu'ils disent. Le traitisme, ça, la manakatia armée. N'anyo à On ne sait pas l'identifier. Le chef de l'État congolais, Félix lui-même, viole la constitution. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est, là où il est, qu'est-ce qu'il fait. On vient de me dire ici, le ministère de la Défense, depuis ce qui est 2022, Jean-Pierre Bemba, m'a dit qu'on est qui ont équipé plus de 1 milliard de dollars, et tout ça, on ne le voit pas. Maintenant, ils disent « Oh non, si on a beaucoup de traîtres dans l'armée congolaise, et comme les M23 ne cessent d'avancer pour récupérer des territoires au Congo, euh, on doit établir ou réétablir la peine de mort. La peine de mort, oh, y a déjà, à Kabila et beaucoup de pays dans le monde, pas simplement le Congo, Balongo Longolayango. Balongo Longolayango, suite, il y a eu tant que la peine de mort a été quand il y a eu condamné par exemple peine capitale, si tu as la chance, tu peux passer deux ou trois ans ou cinq ans na la prison. Tim Koloyo ba préciser jour ba okeboma ba keib ala ticio ba kabango la ticio ka ba singana kingo ba bendi singa au okufi na singa mssusu ezalaka ba betio massa na mutu okufi mssusu ezalaka n'est-ce pas dans les états unis ils même sous ba chaise électrique donc ça différentes manières différentes manières je peux dire ba kokiko euh kuboma ko alors, c'est là, ils allaient rétablir la carte à Congo. Maintenant, les gens qui regardent cela, les gens qui voient cela, est-ce Est que les Congolais, tant que la peine de mort Parce que la plupart des gens, ils ont peine de mort, ils génération Mingevani na dans l'époque Kabila. Or, dans l'époque de Kabila, peine de mort ils qui Maintenant, les gens disent, les gens sont contents. Abia ah, boss, c'est vrai, très, très malé, quatre armées. Donc pour les Congolais, quand on dit la peine de mort, cela sera simplement exécuté par bato bazako la rébellion comme les nanga bato yo bazako trahir quatre armées. Donc, quand on rétablit la peine de mort, cela veut dire cela aussi doit toucher la politique, le politicien. Cela aussi doit toucher la société. Ça veut dire, euh, le ministère public peut demander la peine de mort, la peine capitale, contre un kuluna. Si on t'arrête comme ça, on dit que, à on peut demander la peine de mort contre un kuluna. Le ministère public peut demander aussi la peine de mort contre un citoyen congolais. Tu as écrit quelque chose, tu as fait quelque chose au lobby, au komaki, au sali, et que bah, moi, clarté, le gouvernement ou le ministère public peut demander la peine de mort. Donc, peine de mort, au Yoka, et ça pas simplement contre M23 et Nanga. contre soi-disant traître très, très et armé, ça peut toucher la politique, en même temps, ça peut toucher aussi la société. bien parce que comme loyauté mais sache très bien on peut venir touch, trouver un, 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 quelque chose dans ton téléphone moi je suis ici aux États-Unis au tinde linea vidéo moko boye makamoko boye va faire des ça ko ça là dans zue ngona dire paf directement dire en air nengba comme ici ko na là Congo ko la ba information pour ba ka oh non ton mona ki ya. si tu n'avais pas effacé la vidéo, tinderakyo, bah la en haut, yo, ça et yo za oh, traître. Yo, osali oh, bah, sali, ou à benga trahison en boca. Bah mémio, oh, bah jugé yo, oh, ba condamné à la peine maximale, et puis, on peut te dire la peine de mort. Maintenant, on choisira, est-ce qu'il faut t'exécuter directement ou tu dois passer quelques jours, quelques mois en prison avant que tu ne ekoboma yango siko bango nde fu bachoisir etceque fu balatiso singa na kingo babenda yo likoló po kufa na likoló ndenge bapendre yo ou sot il fau peuple congolais ecass netcas babeta yo masasi ou sot balatisa yo u bata yo na caiseélectri Ou bien, soit, c'est eux qui vont décider de la manière que fait là. Les Congolais, c'est que si dans San City, pour que toi, tu aies un plus quatre, qui ait la paix au Congo ou en RDC, si Joseph Kabila n'avait pas enlevé la peine de mort, Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être le vice-président du Congo. Zahid Ngoma ne pouvait pas être le vice-président du Congo. Azara Souroubera ne pouvait pas être le vice-président du Congo. Même le père de Félix Sekedi, parce que lui aussi était dans la rébellion avec les, les Azaras Sourou, Kabila pouvait aussi les arrêter pour haute région. On a dit à Kabila si vous n'abrégez pas votre peine de mort le bemba il fallait abréger la peine de mort et c'est ce que kabila a fait cela a permis le retour des Bemba et des autres parce que les congolais ont un peu la mémoire courte quand on leur parle de la peine de mort, et leurs se dirigent directement Nanga, les M23 et les autres. Ils oublient ceux qu qui sont la majorité la, qui, qui font la politique là aujourd'hui, pas bah, 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 rébellion. En commençant d'abord par Jean-Pierre Bemba lui-même. Mais, ils ont initié la peine de mort parce qu'ils sont au pouvoir. Et le malheur en est parce qu'ils pensent ils sont des intouchables et que la peine de mort ekozongela ka bango te ata ba kufi ou bien balongwe na pouvoir toza Tout toza kakao. vous voyez que nanga vous voyez que le M23 mais vous ne voyez pas demain si vous n'êtes pas au pouvoir ce que vous signez aujourd'hui ça peut vous rattraper demain tout ce que Félix Tsekede a fait, Banda comme président. Combien de lois n'a-t-il pas violé Combien de fois n'a-t-il pas violé la constitution du Congo Il y a des accords que Félix Tsekede a signés avec le Rwanda. Cela, on ne sait pas comment il a signé cela. Et le cas n'a pas à les maté. Il n'y a pas eu même discussion. Tout ça, vous ne voyez pas. Vous regardez aujourd'hui. C'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le M23, c'est le Nanga, faut péché, bango, la trahison dans l'armée, tout ça, tout ça, peine de mort. Condamné, tué si vous avez besoin de tuer. Mais ça le très bien. Ça peut aussi vous rattraper demain. Je voulais aussi dire une chose, peuple congolais. Avant dans, dans les cas, l'étape Na makamboy tali peine de mort oyo. de vos qui Jean-Claude Lubaya uti kokoma yango awa pour expliquer aux Congolais ba oyo bazanono na kidiba bazaku que la peine de mort peut avoir des conséquences dans le pays. Alors laissez-moi vous lire ce que Jean-Claude Lubaya a uti Ouchiko signé Awa sur, la peine, des sur la peine de mort Levé du moratoire sur l'exécution De la mort, mort, peine de, de mort Retour aux années sombres De Mobutisme. La peine de mort Est le signe spécial Et éternel de la barbarie Partout où la peine de mort Est prodigée La barbarie domine Ce sont là De faits incontestables Victor Hugo le 25 juin 2023, dans un stade de Mboujimaï, devant une foule immense, le président Tshisekedi déclarait sur un ton menaçant « Je m'attaquerai sans hésitation et sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en morderai pas. » Ceux qui avaient suivi ces, euh, ces incantations n'avait peut-être pas saisi la portée. Ces menaces jetaient le base voilà, jetaient le base ces menaces plutôt euh, jetaient le base de l'instauration au pays de Lumumba de, euh, voilà, de l'instauration au pays de Lumumba d'une nouvelle dictature féroce et toxique fondée sur la terreur la restriction des libertés le culte des personnalités la pensée inique la soumission au guide, au, au guide, au timonier et c'est la résurrection de Mobutu 27 ans après sa chute, sa fuite et sa mort. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort n'est pas une surprise et son prétendu euh, but de débarrasser l'armée et le pays des traîtres supposés est d'endiguer. La recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes n'est qu'un alibi visant à maquiller la vraie motivation de derrière cette décision. En réalité, il s'agit de la mise en exécution de, de menaces d'un Boujimaï et rien d'autre. La levée des moratoires sur la peine de mort. Viole fondamentalement l'interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles et des garanties d'une procédure régulière et d'une protection égale devant la loi. Elle constitue une violation des droits humains, en particulier du droit de la vie et du droit de ne subir ni la, ni to, ni la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Robert Bandine, bandit, euh, bandit, Bandité disait... Partout dans le monde, et sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout où vous y trouvez inscrite en caractère sanglant la peine de mort. Comme sous la Deuxième République, cette décision controversée est un sérieux avertissement à l'endroit des, euh, des dissidents et effectifs ou potentiels. Elle permet au pouvoir de se débarrasser de ses adversaires politiques car il suffit qu'il soit forcément accusé de complots pour être condamné par une justice à laquelle le sévère réquisitoire du président Tshisekedi ne confère aucune crédibilité aucune once d'équité ni d'impartialité aucune légitimité pour dire le droit sur le plan de protection des droits de l'homme la levée du moratoire est en contradiction flagrante avec les dispositions des articles 16 et 61 de la Constitution, de même qu'elle est de avec les engagements internationaux de la RDC en matière de protection des droits de l'homme et énerve les dispositions pertinentes du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l'homme et de peuples qui garantissent. Le droit à la vie à toute personne. Elle sape tous les efforts fournis ces dernières années pour l'amélioration de l'image de la RDC en matière de protection des droits de l'homme. Ça c'est Claude Lubaya qui vient de le créer. Bon, on verra hein, comme les Congolais minimiser haut, vous verrez maintenant le risque a. Tout ça c'est pour intimider le Joseph Kabila. Tout ça c'est pour intimider euh, le Colonel Nanga et le John Numbi... Surtout, cela vise plus la famille Kabila. Surtout les par exemple, le dossier où t'as eu le Kalobi, Kabila, bah il faut que condamné à peine, négocié par l'ongolaki, bah condamné à peine de mort. Et c'est ce qui était prévu. Mais avant que je rentre dans dessus euh, sur le dossier de de, de qui euh, de Jeannette Kabila, laissez-moi vous dire une chose sur euh, la peine de mort boche angote total a Siko, n'inge angwe kosa sala mousala si cela va changer les données dans le pays surtout dans la rébellion où les bazasko avancent n'inge bangou bazasko avancé botiye angote botiye angote na iloba kinabino na vidoe uchukoleka le retour de Mobutis au pays ezakoya pesa ko se confirmé vous allez voir celui qui n'a pas encore les yeux pour voir vos abas je vous demande de prendre l'eau de laver vos yeux et, n'est-ce pas, de prendre même le tige de coton. Parce que vous revenez encore à l'époque de Mobutu. Le 32 ans que vous avez lutté pour chasser Maréchal Mobutu du pouvoir à cause de la dictature, et ali petit à petit, par le système Tiseke du pouvoir. Si tu es avec lui, tu es là au pouvoir. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui, on te condamne, on t'arrête, on te met même point de mort au Keyo Tiki Bangoana. avez-vous pensé demain, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez toujours là comme président? On verra la suite de cela. Alors, je vous disais ici, Bande Konangai, sur y'a y'a et comme je vous disais c'est la euh, Jeannette Kabila c'est la vise, la famille Kabila pourquoi je le dis mais bon tu comprends on a Macambo iléki lobby dans la cour constitutionnelle, et plutôt dans na demi là où on a fait appel y'a euh, Jeannette Kabila bah c'est là qui nini pourquoi on a appelé Jeannette Kabila là-bas Pour faire quoi On a discuté avec vous ici. En rentrant en profondeur dans ces dossiers, on trouve que la sœur de Kabila était innocente. Mais bah ben, il sait qu'il y a pour rien. C'était pour rien qu'on l'a fait appel. Alors, si on rentre en profondeur pour connaître... L'objectif était bien fixé. Tango Aner Akiti Na Fondation Musée Tango Bazubilo ko bango bazuba c'était prêt Balobake, Jeannette Kabila avant qu'on préparait coup d'état contre Félix Tisekedi. Je vous ai montré une petite vidéo de Chilombo Oh, il y a Pessa qui déjà sonné d'alarme à avakine de Bruxelles, que non, <laughs> euh, L'ANER fait son travail. Donc, quand il vous a dit que l'ANER fait son travail, c'était un coup qu'ils ont préparé pour l'arrestation de Jeannette Kabila. Maintenant, comme avec les éléments qu'ils avaient à leur possession, ils disent qu'ils ont trouvé deux tenues militaires. Dans quatre, il y a, des, il y a la fondation musée, namutu kanamunduki, oh munduki on a sait la nini, là mais avant que Félix soit président, cette arme était toujours là, symbole, Oyo, Bachai pour la nini à Jeep, et toujours Wana. Pourquoi pour que bah le Baba avec deux tenues militaires, nini, le clés de USB, de disques durs qu'ils ont apporté, ils n'ont

principalement les réfugiés hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable Président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans, de dictature, il y avait eu la guerre de la libération, on a libéré notre pays, de dictature, par notre troisième président, de reste mémoire, M. Laurent-Désiré Kabila. Honorable président, une année, trois mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD, RCD Goma, qui était soutenu par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président était assassiné. M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADEC, et je remercie encore. Nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans des de dialogues, des discussions, et c'était ici, en Afrique du Sud, avec euh, les mouvements rebelles du RCD. Bon, nous Boyo comment Jeannette Kabila vous explique que Makamounine et et comment il parle du Rwanda là-bas. Je vais revenir sur ça. Donnez-moi quelques minutes. On va discuter et je vais vous laisser écouter Jeannette Kabila, longue et à large. Parce que la vidéo est de quelques minutes. Donc, sur le surtout, nous n'aurons pas le temps. Il y a. Nous Donc. Bande Konangai, voyons qui Jeanette Kabila, qui a parlé, elle a parlé de, de Rwanda, au bain Congo, Banin banit. Donc, euh, pourquoi viser la famille Kabila? Parce que Félix Seké devait s'éterniser au pouvoir, comme je viens de vous dire, c'est le Moboutiste, le Moboutisme, au retour dans le pays. Il y a un frère qui m'a écrit, Pasta <laughs> !» merci beaucoup, hein? merci beaucoup de Konangani, Olanangamigi. Je reçois votre message. Ça me doit dire euh, droit au cœur. N a n a lobby, pasta, ce n'est pas tous les Bangala qui sont. Et ils étaient derrière Mobutu et qui sont et derrière Jean-Pierre Bemba. Bemba fait ce truc. Nous-mêmes, les Bangala tout bénéficiait la de l'autre côté. Banda que Bemba, ça la politique à Congo. Je suis d'accord avec vous, mes frères, mon frère, et beaucoup avec euh, mes frères aussi et mes soeurs de l'Équateur. Que Bemba ne fait rien pour les Équatoriens. Et lui. Qui bah veut le moboutisme pour qu'il continue à copier Congo? Bah ça, ça la revanche contre Lafbel. Oh il y a qui quoi, pouvoir. Maintenant, façon à se venger, à bah commencer que ça va peine de mort. Kabila, ça la boy, ça, la boy. Donc euh, c'est comme ça que la sœur à Kabila s'échappait parce qu'on n'a trouvé rien. Disons comme ça. On n'a trouvé rien. D'ailleurs, selon des indiscrétions de, à l'intérieur, on nous signale que même pour interviewer Jeannette Kabila, Batutu Kima, Batutu Bazobanga, non, moi je ne rentre pas dans ce dossier. Non, moi je ne veux pas me saluer dans ce dossier. Je ne veux pas. Batutu, Christian Dawel, Ponaki pour qu'elle interviewe Jeannette Kabila, Babo je

Aïe, on interview plutôt avec Jeannette Kabila. Ma question telle que pourquoi y a eu des militaire, Pourquoi Di vanda la wana? Pourquoi Mundouki wane Pourquoi, pourquoi? Et ils ont oublié. Ba bah, yibi, ba montre à Jeannette Kabila. Ba yibi, bilamba. Bah, yibi, bah, bah, sapatou. yibi, ba mbongo. Non, surtout, on a dit, donc, il n'y avait vraiment rien dans le dossier. Et comme il n'en vaut plus de choix, fallait il fallait qu'il relaxe la sœur à Kabila de rentrer chez elle. Je peux vous montrer rapidement ici euh, la sœur à Kabila après interview euh, Nini et Salami.

Même si on dit qu'il était mauvais, en quelque sorte Kabila était bon. politicien Vous pouvez me citer le nom d'un enfant, d'un grand politicien congolais que Kabila a arrêté. Ou Kabila a interpellé. Ah oh non, on peut tout dire de l'un des noms, hein, mais vis-à-vis -vis des actes. yango toozobabinoke bamobutiste bazongi na pouvoir bakongole bokokemba ba bino boza na mboka soki bafungoli misu te bokokemba bamobutiste bazongi na pouvoire kongole fungola misu bamobutiste bazongi lisusu diktature oyo bakoko bakufaka balelaka ebandi na nkongo ebandi ezongi nzanga mobutu afinga kabila awa kabila kutu akomisi ye ministre nzanga mobutu ayibi mbongwo akimi poto kabila akipa eta azongi kabila pa kanga ete akanga nzanga mobutu te lelo tala bana wana soko jwi ye moko nzanga mobutu mwana presidant

Ou bien interpellant moi, il y a ah politicien. Après 5 cinq heures, cinq heures passées dans le locaux de, de, de renseignement militaire de la République démocratique du Congo vendredi, l'ex-députée Jeannette Kabila, jumelle de l'ancien président Joseph Kabila, est repartie libre. Elle a répondu à une invitation des renseignements. Elle se reproche de rien. Elle est venue, on la pose des questions, elle répond, on trouve qu'il y, y a un zéro dans le dossier. yo, zongana yo. Comme les choses qu'ils ont préparées et échoué. Pourquoi échoué? Parce que c'était prévu que Jeannette Kabila, la cloué. Si ce n'était les, les interventions des ambassadeurs, des diplomates au Congo, pour nous ça, Félix. Moto et est-ce que tu regardes après les conséquences dans le pays Tu crois que tu as vraiment la maîtrise de cette armée Même après 5 ans, Félix, tu penses que réellement cette armée est unie et ils sont tous derrière toi Tu ne sais pas à cause du tribalisme que l'armée est déjà divisée Tu es sûr que ce qui est bandit, l'armée on est divisée et elle est scindée est-ce que tu es sûr de ce que tu fais Pas diplomate, pas ça qu'obengai. Un de ordre diplomate de pays d'un pays voisins, voisin. Bengi Félix, lui qui avait dit que je ne connais pas, je ne sais rien. Bengi, monsieur oh papa. Ata yomou, oh susoko mo sa les Même biso to lingara yo, même biso to za encourager yo, makamuno kuto yibe élection to betio karato to bitika ka kokende. Mais oyoko miko kende tu wapi les sasungesu les gens là de pays voisins mais, babengi mais ça c'est quoi ça qu'est-ce que tu veux en fait qu'est-ce que tu veux ayoki soni Félix seké ayoki soni ayoki soni peuple congolais mon moko farfelu oyo balinga qui bakizé Jeannette kabila comme bossa romonango awa d'après une source au sein de la DEMIAB, Jeannette Kabila, jumelle président honoré de Joseph Kabila, a été piégée avec 1000 tenues militaires qui seraient mises dans le véhicule afin de l'accuser de complicité avec le groupe armé. L'acharnement continue. Il y a déjà mille tenues pour qu'il que bah, qu ait une complicité avec bah, M23. Il y a bah, peine de mort pour bah, condamner Janette... hey, Kabila.

a eu de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Le père Kabila a eu de très bonnes relations avec euh, euh, comment s'appelle ce pays-là, euh, le Zimbabwe. Le père a eu de très belles relations, de bonnes relations avec le Kenya, la Tanzanie, tout ça, tout ça, tout ça, pas l'Ouganda et le Rwanda. Il a eu de bonnes relations, surtout avec des pays anglophones. Ah. Oh. <laughs> Et même lui-même Joseph Kabila aussi a eu de, de, de bonnes relations avec ce pays anglophone. Tamba Yoki Boy, Bangomoko, président, de ce pays, pays, y a Sadec, a Félix, c'est dit This is too much, man. Where are you going, man? This is too much. IBC. Urgent, la Sadec news a obligé la sadec a obligé la sadec a obligé Félix seck de cesser immédiatement tout acharnement à la contre de Jeannette kabila la fille du grand panafricain moussa kabila dans le cas contraire la sadec va retirer tout soutien à la rdc judith katera diplomate zimbabwéenne c'est la sadec regardez cette femme le a la femme, leur père porte un peu l'image du Congo. kalabana ba très très haut yo. Bangotu bazongi na pouvoir. Mobutu, Alekisi ans na Congo, il n'a rien foutu. yén dem ta Quand les gens disent que c'est Moussa qui nous a amené le Rwanda, vous oubliez l'histoire. Vous oubliez l'histoire. Pourquoi Moussa est venu avec l'afdel au Congo, qui voulait pas partir Mobutu? Vous qui parlez aussi aujourd'hui de Mouze, 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 qui allait faire partir Mobutu au Congo C'était dit. Et Étienne allait faire partir Mobutu du pouvoir Combien d'années années il était là Mobutu était parti Si la n'était pas venue au Congo, dites-moi, qui allait faire partir Mobutu du pouvoir Bon, qui Mouze pour rien Ce que qu'une intervention a été. Il n'avait pas de choix. Mouze n'avait pas de choix. Hein vous la dictature passez bandes qui Congo déjà vers 80 81 passez comme on compte les gens il n'y a pas de travail on met qui va kangio on met qui va bomio vous oubliez l'air Mobutu. boutou à Salimouan Oyo un héros vivant il a accepté de rwandais. au Baédé quand il a compris que ce n'est pas la peine il leur demande de rentrer Mouza est tué au Congo ometant nero national tala bana bamovancie oyo tala bana bamoboutiste oyo mitema mabe likunia bakeki kovandalize nini mozole ya mouzée o pourkui yo yaki awa yo nde toyaki kobebisa bakambo na biso bamoboutiste tovandaka na biso bien Ale yo bete, ko ye la ba bato ba nini, ba nini. yo mousé oye kobenga na biso biso tokembi bovandi 18 a lokola tozongi na pouvoir tozongeli sikoyo makambo na bino makambo na biso plutôt dictature ezongi corupti ezongi euh, netcepas euh, peni de mor ezongi <laughs> eh? mobutu azongi na pouvoir Bon, lua mousée mosusu aya kobikisa bino bakongolais ah, bovandi kimya journaliste omeki kokoma fax bruit bacheyo na pene de mort politicien omeki koloba fax bruit pende de mor oyo omeki ko intervenir fax bruit pene de mor boluka mousée mosusu aya na kongo oo oh, bozomona eloko te ah. bosala bo marche bosala soulvement populaire na kongoo Bonjour Sabine, on pele les sushu. Boti ka corne enanga kotanaie. Bon yambaye, bienvenue nakatemboka. Bonjour mon angologo la blague. Casiboluka. Bonjour mon ame. Bonjour, on a Les Mobutistes sont revenus au pouvoir. Les Mobutistes, vous allez souffrir. Les gens qui ont oublié Mobutu, oh bah vivre sera Mobututé. Bonjour sepela, Pella. rien. mon Vous allez voir qu'est-ce que le Mobutisme nakatemboka on si c'était l'intervention de la SADEC, mais les Jeannette Kabila ça peine de mort, peine capitale, exécution peut-être. Hé hey, Félix, Zimbabwe a intervenir, le président tout va intervenir, mais ici Félix tu sais qu'est-ce que tu oses parce que toi toi tu, tu ne pas, on t'a donné plusieurs fois les conseils, tu n'écoutes personne. Mais si tu oses à faire du mal à la à Kabila, et à directement au toucher Bisho, au toucher Bisho, et on va d'abord se retirer de la Sadec, et puis au la Simasuko, tu verras réellement le soutien de la Sadec envers le Congolais Nanga et les autres, et tu vas quitter le Congo là, tu vas quitter le pouvoir. mais c'est quatre vérité, soko Meki kaka Kabila, au toucher Janetuana. r oyo toza kobloke pourqe bam23 baktagoa te tokolongwaoofungola toko epui tokoapuye bango mpe yo komona soko kovanda dan na pouvoir wana ná bamindelo oy uti kozwa oyo lokoti ya bamercenaire so bakobatelapouvr nayo podenarntrve dans le dossier de atkb Mais moi, je peux dire à la famille Kabila euh, et les autres, vous devez savoir que ce n'est pas encore fini. c'est ridicule mais on ne sait dit que vont ridicule, tenter on ne sait pas que tu as que tenter as dit que tu as dit à la famille de Kabila d'être prudent, parce que son oni mwana mukier abeti papa mbata, binoboli biaza ka mwana egosara le côté lobby mwana akubamba papa libanga. Soki besoin qui mesure t'et ya koukourijé mwana wana pour aye ba koubamba papa toko bête à maman mbata ezama b. Soki besoin de le devancer lobby mwana na bamba papa na binobeli libanga. Pour que la chose eko mamonéne ebandaka na mukier mais il l'a démontré toujours au 40 parenthèses il y a mon oncle abomi papa naena ya na na canada si vous rentrez à la profondeur de la famille vous allez comprendre que y a il beaucoup de choses peut-être bitumba pe bandia ko sala mama casse na katanda quoi peut-être bitumba pe bandia ko sala mama casse na katanda à la fin de compte on peut dire même des fois aussi peut-être bandia ko zone bambeli alors, ils ont remonté étape, ils ont remonté Donc, son roman est moultu. Tiba komi le leur robin sa s'agenète Kabila. Akena n'a demi à petit, Tiba côté. Les gens pensent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Faites attention, faites attention. Ceux qui mesurent à mesure la prudence télélo, vous verrez la suite nango lobby. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors voilà, au sur ce dossier bande Konangai, Etutikoleka na demi Alors rapidement, peuple congolais, rapidement ici, nous avons le dossier Yakone Nanga qui avance, qui avance et à très bientôt Gomesa Okoué Nanga. Ah Nanga nga Goma wana, koisa Nga Papa, koisa Goma. Donc, euh, Goma a déjà en secret. <laughs> est en secret. Maintenant, on commence à chercher des de bouquets émisseurs. Je vous ai dit avant-hier qu'on a accusé Christian Chiouewe de complice avec l'ennemi. Euh, nous alertons le service de sécurité et renseignement militaire, le responsable de Ouazalendo, la société civile de Nirangongo, les ONG. Internationaux et locaux qui œuvrent dans les camps de déplacés de Bouchagara dans le territoire de Nirangongo sur euh, Ngongo, sur le pillage, le pillage systématique sur le pillage systématique cette nuit du 15 au 16 mars 2024 dans les camps, dans les camps de Bouchagara par une équipe soi-disant wazalendo dirigée par un certain Niyondima Bousogi Janvier. Ces Oise ont saccagé tous les abris des déplacés en pillant le vivre récit des mains de bienfaiteurs et autres biens, par exemple argent et habits. Signalant qu'après avoir pillé, ils ont tiré partout des balles dans les abris des déplacés, et gloire à Dieu, aucune perte de vie humaine ni blessée. On ne peut pas prétendre défendre la population à la malmenant à la foi. Nous demandons force de l'ordre d'interpeller tous les Ouzbeks qui circulent et passent nuit dans les camps de déplacés, car ils exposent la population civile. Nous demandons des enquêtes et arrêter ces bandits qui circulent dans les camps comme s'ils sont aussi déplacés comme nous. Claude Moucha déplacé vivant dans le camp de Bouchara. À qui la faute À qui la faute <laughs> À qui la faute on vous avait dit ici que vous ne connaissez pas la nature des Wazalendo. Ils sont qui Ils ne sont même pas reconnus dans l'armée congolaise, non <laughs> Vous avez un groupe armé qui fait le combat pour la nation. Et les Congolais applaudissent. Ah bah, Ouazalendo, bah vrai patriote, Wazalendo bah Ouazalendo, bah qui bah bah oh. Votre armée nationale reconnue ne fait pas la guerre. tnantvous prenez un grouperebelle qui faitla guerre pour le pays et vous êtes content de cela doncmboka moko boza na arméeepuis boz na groupe armé minnanle lndoe bakaki na k ya badéplaé bapiebabeti masasibtmbolann Comment vous allez les arrêter? Comment vous allez les arrêter? Qui contrôle les Ouazalendos? J'ai dit qu'il y aura des conséquences à Pai. On goûte en miniature. Ça, ce n'est que rien. Mais attendez les jours à venir. Boser il Félix, c'est lui qui va payer. Tout ce que les Ouzalendos font là-bas à l'Est, de les tueries, de tout ce qu'ils font, c'est Chilombo qui va payer les prix. On est là. le donc, plus on acquise les autres, plus l'armée congolaise n'a rien comme défense. Alors, comment s'appelle ce message Ce général, Chikontitambo est accusé de haute trahison et on demande que Chilombo a l'ongo n'a qu'à armé. a fait quoi D'ailleurs, il a a porté du est mon vieux.

napeeapitalpeine euh, de mort bandeko na ngai vakondane <laughs> ba baka ngae aza, aza tuiopple kongolaitunakuomba bon si eva iaspora kongolais tunakuomba utusaidi kamatauleshiko uleshik anajua mambo yote iko ikonapitikana pale vraiment hatu ya comprendre ile kutueleza barabara ya rwindi detongo kutoka kupoya mabenga rebeli atoke pale akamate migulu tit general anakimbia na 10. de heur anakimbiza wasoda deh nasemasoda mtoke h mutoke mtoke mtoke mnikute kaekanye ayongo banatoka banacha minisio pale banauzisha minisio

Naomba reaksio yako kuule mtu mwana na apige risasi. Omwe tungesikia ke ile pori yote <laughs> imeharibika. Tungesikia pori imeharibika lakini hakuna hata mtu mwakisha baratoresha wamepita barabara kimya. Sasa zengie hakuna mtu anabasumbua. Niko nendo ndireba na ingia mnyumbavo. Ah siko titambo. Tala mon general, so so pesa kwa general, chiko titambo. nazopesa yo consel bino boyokaka bato aprèsretard ntango bakokanga yo titrs simarsoné ke watasaiait nazobenga yo lelo talá ndeko na yo csin chiwwe badestabilizai akómalekola fr aol koloba lisusu te sikoyo ekómi tour na yo flix ye moko aza na yeompétet

Et puis par malheur, n'a a pas peine de mort ici, donc voilà, peuple congolais. Le l'AFC de Konai vient de récupérer, ou bien bah, ça déjà presque à la porte de Goma. Donc d'ici peu de temps, Goma et Kwei. Et ne soyez pas étonnés, je vous informe déjà que Goma est allé en euh, peuple congolais. Alors la SADEC, l'armée de la SADEC est également venue en appui au FADC et FDLA à SAKI. Si le M23 descend pour faire taire le bombardement à la source, n'allez pas crier bêtement. Le jeune M23 qui ont mis en déroute la fameuse montée en puissance des FDC, SADEC Yangwana, Bangwana. Donc, Kalamingite, le M23. Baza Goma. J'avais aussi reçu quelque chose, n'est-ce pas, il y a, y a Radio Capi qui nous, qui nous informe que Goma est allé encercler dans le moment Oyo, toujours au sein de mission, Ville à Goma est allé encercler. Donc, dissipez de temps, ne soyez pas étonnés, boyoki, Goma est passé aux mains du M23. Parce que la ville est réellement encerclée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Soki, Toroki, Makambouananian Soto, Bande Qu'est-ce qu'on peut dire Moi, je, je dis simplement une chose. Face à la dictature, face à tout ce que Félix Tisekedi fait dans le pays, si les Nanga, Bazui, Goma, et Gosalelo, on mourra bien parce que ça peut nous aider ça peut nous aider au Congo de faire l'équilibre politique parce que jusqu'à présent Félix Tshisekedi ne veut pas faire l'équilibre politique à ça l'équilibre politique il croit à ses muscles et à ce qu'il fait donc Soki Nanga et ses alliés bah, récupérer Goma c'est là où maintenant les Congolais vont prendre encore plus très au sérieux l'avancée de Kone Nanga et ses alliés. Donc, Binomora Boué Bane kota et Makambo Bouzali Kosala Bande Konangai. Voilà, je vais terminer cette émission. Yali euh, Boso. Voilà, je vais terminer cette émission. pour web Sabino. Quand tu sais qu'il y a dissous le Parlement, fait ce

euh, C'est ainsi que le M23 ont passé 14 mois à Kinshasa. Cette alliance a permis que politiquement aussi, euh, aussi le M23 ait des représentants dans de l'Union Sacrée. Bref, Tshisekedi a utilisé le Rwanda pour se débarrasser de Kabila. Dans cette vidéo, il, dans ce vide, il forma sa propre armée, Félix Tshikedi. Il a recruté et formé plus de 50 000 jeunes. Majoritairement de sa province du Kasaï. Une fois son armée prête, il casse les accords avec le Rwanda. Problème, les choses ne sont pas passées comme prévu. Kagame a été plus malin que lui car il avait aussi prévu un plan B occuper les territoires congolais pour faire revenir Félix aux accords signés. Le jeune recul de Tisséke dit n'ont pas d'expérience de la guerre, on le sait. Cela qui avait gagné la guerre contre le M23 2013 se retrouve mis de côté, assassiné en prison ou en retraite forcée pour effacer Joseph Kabila. Merci, merci, Bande konangaï. c'était un peu ça. Euh, rapidement, on me signale que la RVA impose désormais la taxe de 40 000 francs congolais à chaque citoyen. Attendez, Wapango. RVA, Azako imposé taxe, Sikoyona, Soro Lingo voyager. Faut foutre à 40 000. Non, voilà, ça c'est Devos Kitoko qui parle de la réhabilitation de la peine de mort dans un pays où la justice est réputée malade et les gouvernants euh, sont fabriqués à l'aide de machines à voter. Est une instrumentalisation des assassinats et des homicides volontaires. On ne quitte pas un malade mental. D'un fusil d'assaut. Voilà. Voilà. 40 000 euh, francs, peuple congolais, ce au parquet, dans le parking, il y a un il y a un parking, il y a un aéroport international. Tu dois payer 40 000 francs, 14 dollars, pour que tu parlez. famille beaucoup beaucoup comprennent d'bango après. Alors Augustine Kabuya aussi, il y a une vidéo que Kabuya un peu d'avoir insulté ses frères du Kasai Le contraire nous dit la vérité que Kabuya finga ki batwana ya Kasaï, bandeko na biso Kasai bandoki. La vidéo est là. Boyo ka Kabuya nengazo mbenga ba Kasaïe bazaba ndoki. So, C'est ça qui na SLC. Ngaya na na bana na bosu boyoka bana na nga baki kokota na conflit ya babateke na baombo makambo na biso ezosuka na niveau na biso o courage oyo bozui eza kindoki basambela mpo na bino oza bakatange te toyokani eza babiloko ya koyokisa biso nsoni botika bakatange basala makambo na bango je nai pas vu le katange sopose aleur frère ki abula na kazeme bozakola na ngai come yeah. basi bazwi bambongo na bango balingi kokotisa udeprese na babuzoba wana biso toza kuna te basala bavideo na bango etali ngai bakolo bandeko na bango nde bandimi bandeko na bango tango kasaye wana aleki te boyoki makambo tozokende wapi tozokende wapi o oh, biso bakatange yo eza katange abanosaa mosala asncc apano wa banda osala mosala na geamin aquel moment yo oza katange ya heferi nini oza katange ya sheferi nini chef du village na bino kombonenani ozoyoka nsoni ya kodécliner même identité na yo ozoyoka nsoni ya koloba province d origine na yo mpo osi oyebisaki bato keno biso toyaka na katangawa toyaka kobombana mpo na kindoki kunda na gasayi bino nde bozangana biso kampagne ya mabe Voilà ah, les peuples migratoires. Ah Kabouya hein? Fingaki, à Wangani à Fingaki les preuves sont là tangibles. Alors, je vous laisse encore la dernière vidéo de Jeannette Kabila. Écoutez ça calmement. Il y a un euh, Parlement panafricain ou Ezalaki en Afrique du Sud. Écoutez Jeannette Kabila. On va se séparer aussi par là. Nous a demandé d'ouvrir nos frontières. Pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés hutus, ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après. 32 ans de dictature. Il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président de reste mémoire, M. Laurent-Désiré Kabila. Honorable président, une année, trois mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Bon, Et une rébellion de RCD. RCD Goma, qui était soutenu par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président été assassiné. Moi moi a le 16 janvier 2001, il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADEC et je remercie encore. Nous savons que qu'on avait eu des discussions ici et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent-Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans des, des dialogues, des discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, Boyoca. avec le mouvement rebelle du RCD Goma, et les autres, la société civile, et des autres groupes d'opposition. Honorable Président, de 2000, 1998 à 2003, les RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le nord Kivu, partie du sud Kivu. La RCD Goma, RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, les Rwandais. Ils ont fait cinq ans dans cette partie du pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de. Je ne sais pas si c'est. Comment je vais dire Ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je, je vous ai expliqué, euh, j'expliquais à cette auguste euh, euh, plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant cinq ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas à mesure de faire ça pendant cinq ans qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'air a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. l'air opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 millions kilomètres carrés. Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable Président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda toujours dit que non. Il y a des tentatives d'attaquer euh, le pays, mais je ne sais pas s'il y a un jour, un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse qui peut nous dire qu'il y a eu l'effet de l'air qui est entré dans leur territoire. Honorable Président, dès 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec quatre vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement euh, d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu euh, ce gouvernement-là pendant trois ans jusqu'en 2006 où nous avons eu la toute première élections démocratiques dans notre pays et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma après qui étaient parti, ils ont recréé SNDP après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable Président. Bonjour. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, l'armée hein? de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, ils n'ont pas pris de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, je, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons de M23 qui n'existait plus euh, pendant huit ans. <laughs> Et Étonne, nous avons des rapports des Nations Unies. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes. Euh, armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable Président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être. Les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you honorable Président. I see you showing me that uh, I should stop. Voilà. Allez. Famille Mutu la famille Tisekedi a tis -se okay, sa -ne tis -se que ça discute n'wana. Christian Tisekedi wa kontinaba minerale akogesa la discu n'wana bah mille Vandina bah à Bruxelles plus de 30 ans 40 ans bah Tangata bah classité, aucun enfant aucun enfant de Tisséke n'a un diplôme d'université c'est étonnant on a appelé leur papa docteur en droit papa pas zaki docteur en droit comment non c'est imaginable c'est que le vieux aussi n'a pas fait les études parce que papa nous surtout à Tangamou à Tangamou n'amoura Tangata à Tangamou n'amoura si c'est université tous les enfants de Tisségue, les Français là qui parlent. Et ça, bah, sont tous les sur Ils bichon tout, tout biber. Bah, on a bichon, bah, mouvancier à Kala. Et tous parlaient toujours français parce que dans leur maison, bah, dans leur bagarre français, ils ont eu, eu aussi la chance de venir en Europe, dans bas Porto. Là aussi, ils parlent, on parle français, là-bas Bruxelles, dans bas France. C'est comme ça, ils parlent français. Comment un enfant d'un docteur en droit et puis mon côté, tous. Aucun d'entre eux n'a un diplôme universitaire. C'est étonnant. Et tiens, tu sais ce qu'il y que les bisonniers dans le Congo. Merci beaucoup, Bande Konangay. T'écoutes la bino à la prochaine. Ciao. Aimez, aimez et partagez.